n'avez pas lu Sonia Mabrouk? Pas encore. Je vais le lire pour trancher entre les deux versions. Ben voilà, on vous a donné, j'espère, envie de le lire. Le vôtre n'est pas un roman, c'est un essai, Sonia Mabrouk. Douce France, où est passé ton bon sens? Et d'ailleurs, si j'ai choisi de parler avec vous de ce livre en dernier, c'est parce que dans un instant, on va accueillir deux politiques et que, ben voilà, ce que vous racontez dans le livre va forcément eux aussi les intéresser. Parce qu'on pourrait même croire, presque en lisant ce livre, que vous êtes candidate, ah non mais c'est vrai, candidate à une élection prochainement. Ah non, je suis candidate à ce qu'on ait un peu plus de bon sens. Et quand je dis le « on », je m'inclus véritablement. Mais quelque chose qui m'a frappée, c'est ce qui m'a donné l'idée de ce livre, c'est quand vous dites « bon sens », y compris sur un plateau de télévision, vous avez remarqué, tout le monde vous regarde avec un air un petit peu suspicieux en disant « bon sens », c'est un peu ringard, c'est un peu désuet. Le bon sens, c'est un petit peu le monde d'avant. Le bon sens, c'est populiste. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu nous arriver justement pour oublier en fait cette valeur cardinale qui est la nôtre? Alors je voulais modestement, non pas la réhabiliter, mais expliquer en quoi le bon sens devrait irriguer un petit peu différents domaines, la politique, la culture, les médias, les terroirs, l'intelligence artificielle. Ça va jusqu'à la politique internationale même. Hein. Évidemment. Ah non, mais c'est le bon sens partout, quoi. C'est le bon sens partout. C'est un bon slogan, d'ailleurs. Si je me présente, je l'ai trouvé. Merci, Laurent. Alors, tout à l'heure, avec Isabelle Saporta et Gaspard Gonser qui seront sur le plateau, on abordera le passage sur l'écologie, les véganes, parce que là, je vous ai trouvé avec un peu moins de bon sens que sur les autres pages. Plus militante, anti-végane que sur... Anti-végane, ça dépend. Où est-ce que vous passez le curseur? Je parle d'un véganisme qui est radical, qui s'apparente à une idéologie. Après, c'est votre point de vue, peut-être. Ben on verra tout à l'heure ce qu'en pense Isabelle Saporta. Je lirai quelques extraits de ce livre. Mais pourquoi vous avez eu envie de lancer cet appel? C'est un appel. Où est passé ton bon sens? Vous trouvez vraiment que le bon sens est absent aujourd'hui de la politique, par exemple, du gouvernement? Non, écoutez, je suis partie d'une constatation assez simple. Moi, mon premier livre était une conversation, tout simplement, avec ma grand-mère, ouais, qui est de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie. Et à chaque fois qu'elle me parlait de l'actualité, elle me dit « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille ». C'était le titre. Et du précédent. Que sur certains sujets, je crois qu'on le constate simplement tous, le monde ne tourne pas rond. Je voulais tout simplement essayer de ramener cette valeur-là, qui est le bon sens. Le bon sens, ce n'est pas simplement être proche du peuple. On a l'impression que quand on dit bon sens, on va flatter le peuple. Mais ce n'est pas mauvais, justement, parfois, d'aller dans le sens du peuple. Ce n'est pas être populiste. Donc je voulais simplement expliquer pour moi ce que c'est le bon sens. C'est une sagesse qui est authentique, qui est populaire, que nos aînés avaient, qui peut se transmettre, qui s'est un petit peu perdu. Moi, j'aimerais la réhabiliter, la porter, l'incarner, comme nous tous. Vous citez le chanteur Gauvin Serz dans le livre avec sa chanson « Les oubliés ». J'aimerais juste qu'on regarde un extrait de cette chanson et on en parle. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés. Dans sa chanson, il décrit une France à deux vitesses, en quelque sorte. C'est ça aussi que vous voulez dénoncer à travers ce livre? Et il décrit toute une concentration de non-sens, et cette chanson, c'est la quintessence du bon sens. Vous savez, plus les choses sont simples, plus elles sont évidentes. Et justement, parce qu'elles sont évidentes, on ne les voit plus. Je parle aussi de notre milieu, peut-être que vous êtes reconnus, nous tous, dans les médias. On est un poste d'observation, et en fait, on voit le monde non plus tel qu'il est, mais tel qu'on voudrait nous le voir. Donc je voudrais simplement qu'on change parfois nos lunettes, moi d'abord, et puis nous tous, et voir le monde tel qu'il est sur différentes aspects. Vous dites par exemple, peut-être qu'on... C'est gonflé parce qu'on l'a peu lu, ça. Vous dites qu'on a peut-être trop dépensé... Bon, on commence à l'entendre, mais on a peut-être trop dépensé pour les banlieues et pas assez pour les villages. Je pense qu'on a surtout dépensé et mis l'argent dans les mauvaises poches. C'est une nuance importante. C'est-à-dire, on n'a pas suffisamment fléché l'argent. C'est vrai, je le dis, ce n'est pas tabou, malheureusement. Et on le voit à l'état de certains de nos territoires. Si on avait mis l'argent dans les bonnes poches, si on avait mis l'argent auprès des, entre guillemets, des bonnes consciences, celles qui allaient vraiment, véritablement agir, et je ne suis pas la seule à le dire, les présidents des associations, les maires, les élus vous le disent, eh bien peut-être qu'on aurait pu un peu économiser,
donner un peu plus à nos autres territoires, sans vouloir les opposer, à nos territoires ruraux, et j'allais dire rendre plus efficient l'argent que l'on donne à nos banlieues, puisqu'on les appelle ainsi. Alors on en reparlera tout à l'heure avec nos invités politiques, parce que forcément il y a des choses qui vont se croiser, et dans leur programme, et dans le vôtre, parce que c'est quasi un programme, hein, je vous jure, ce que vous nous proposez. Mais je donnerai aussi la parole, évidemment, à Gilles Martin-Chauffier et à Géraldine Mühlmann, mais tout à l'heure.